Alors chez Quartz, nous permettons à des managers et à des décideurs de piloter facilement leur business en intégrant leur logique métier dans des plateformes web que nous concevons. Et du coup, ces plateformes comprennent des dashboards, de la visualisation de données, de la gestion de données. Alors, ce qu'ils aiment, c'est avant tout la flexibilité de notre plateforme en particulier, qui permet d'embrasser de nombreux cas d'usage et donc d'ajouter également de nouvelles fonctionnalités de manière rapide, ce qui permet à notre plateforme de suivre l'évolution du business de nos clients. Ensuite, ce qu'ils vont apprécier beaucoup, c'est la robustesse et la simplicité d'utilisation de notre plateforme à travers une expérience utilisateur qui est agréable et dans laquelle ils vont pouvoir onboarder facilement de nouveaux utilisateurs chez nos clients et également de traiter leur cas d'usage rapidement. Alors, nos principaux objectifs de développement sur la plateforme, ça va être le développement d'une API publique pour pouvoir intégrer notre plateforme à l'écosystème logiciel de nos clients toujours plus complexe, et la traduction de notre plateforme pour pouvoir permettre l'interaction avec de nouveaux utilisateurs issus du monde entier. Et enfin, nous travaillons actuellement sur l'intégration encore plus fine de séries temporelles afin d'intégrer des cas d'usage comme la production d'énergie au pas de temps 10 minutes ou de données marché sur les marchés boursiers. Les spécificités liées à la gestion de séries temporelles, de time series, nous ont demandé d'avoir un hébergeur qui savait gérer cette complexité-là. De plus, le support avec lequel notre hébergeur va répondre à nos problématiques est un enjeu primordial également, car il va nous permettre d'interagir avec cet hébergeur-là et donc de travailler en synergie avec celui-ci. Et enfin, nous recherchons la rapidité de déploiement et d'accès à nos applications une fois en ligne pour pouvoir très vite répondre à nos clients et avoir une plateforme qui est facilement accessible. Alors, le choix du PaaS, c'est avant tout parce que nous sommes une agence de développement web et par conséquent, nous n'allons pas savoir gérer les infrastructures et donc ce n'est pas notre métier. Et donc on fait confiance à notre partenaire Clever Cloud, qui est du coup notre hébergeur de l'ensemble de nos applications, pour faire cet hébergement-là et la maintenance des serveurs et tout le travail relatif à cet hébergement. Alors avant tout parce que c'est un hébergeur français, c'est des acteurs qu'on connaît sur le marché, et donc cette caractéristique-là, elle est assez forte pour nous parce qu'elle nous permet deux choses: déjà d'avoir un support en français qui va être assez réactif, et de plus d'avoir nos données qui sont hébergées sur des serveurs français, ce qui est une contrainte pour nos clients qui sont des grands comptes, pour qui ce critère est vraiment une contrainte primordiale d'avoir leurs données qui est hébergée sur le sol français. Deuxièmement, on va avoir la scalabilité. Chez Clever Cloud, il est très simple d'augmenter la capacité de nos serveurs avec de simples options. Et enfin, et c'est pour nous peut-être le plus important, c'est l'expertise technique. Nous sommes garants du fonctionnement de nos applications pour nos clients. Et donc, on a besoin d'avoir en face de nous des partenaires qui ont cette expertise technique également sur leur domaine pour pouvoir échanger entre experts et avoir cette capacité de réactivité et de prise en main des problématiques techniques. Et donc, c'est pour ça que Clever Cloud, pour nous, était un partenaire idéal.